aujourd'hui je suis venue pour réaliser le teaser du nouveau spectacle de la compagnie Zapoy qui s'appelle Baby Pop. Là nous sommes dans la ville de Trolley-Loire, en Picardie. C'était une demande de la part de la compagnie d'avoir un teaser pour pouvoir promouvoir le spectacle. Moi, je m'appelle Camille Dewane et puis je suis danseuse-interprète. Très récemment, j'ai pu avoir l'honneur de faire partie de la compagnie de marionnettistes Zapoy. On a commencé les premières rencontres à peu près il y a un an, environ une petite année. Et on a vraiment pu commencer sur le terrain il y a 2 mois. Et donc, je suis avec Domiti qui est musicienne et donc en interaction pour les tout-petits. Donc, je m'appelle Domiti, je compose de la musique et ici je fais la bande-son du spectacle Baby Pop. Je fais de la musique depuis toujours, j'ai commencé petite. Il y a un logiciel qui s'appelle Ableton sur mon ordinateur avec un contrôleur donc pour déclencher mes sons, pour jouer en live, etc. J'utilise aussi des petits instruments un peu jouets. Comme c'est un spectacle pour enfants, et parce que j'adore les instruments jouets, donc j'ai une kalimba, le petit piano à doigts, un stylophone, et puis le micro, voilà. Moi c'est Jérôme Delinthe, mon nom d'artiste c'est Yukunai, j'ai 28 ans, je suis artiste numérique et compositeur. Ici moi je m'occupe de tout ce qui est projection mapping sur les cubes et sur le décor. J'ai notamment mon projet avec Yukunai et toute mon équipe. Avant j'étais en tournée, là je suis sur le projet d'un nouvel album qui va sortir bientôt. Je m'appelle Denis Bonnetier, je suis metteur en scène au sein de la compagnie Zapoy. Alors la compagnie Zapoy est basée à Valenciennes. Elle a été créée en 2001 avec moi-même et Stanka Pavlova. Bonjour, je m'appelle Stanka Pavlova, je suis le responsable artistique de la compagnie Zapoy. Je suis metteuse en scène, actrice marionnettiste. Donc on est tous les deux à l'initiative et fondateur de la compagnie. Donc on développe un théâtre de marionnettes contemporaines. Protéiforme et dans lequel on a développé depuis quelques années une grande spécialisation envers les spectacles pour la toute petite enfance. Alors c'est une rencontre entre la musique électronique et la danse hip-hop. On est à mi-chemin entre un concert dansé ou un spectacle de danse en mode concert. Voilà, c'est un peu entre les deux. Ce qu'on présente ici à Trolley-Loire, c'est la première étape de ce projet Baby Pop. C'est né d'un échange avec la communauté de communes Picardie des Châteaux qui a sollicité la compagnie Zapoy pour un programme de résidence présence d'artistes au sein des structures de la petite enfance. Deuxième étape de travail à Valenciennes dans le cadre du festival itinérant de marionnettes que nous organisons avec Denis, à la compagnie Zapoy. Et au mois de janvier, à la Maison de la Culture et Loisirs à Gauchy. Et donc les premières officielles de Baby Pop, c'est au mois de mars. Vous pouvez nous retrouver sur notre site, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, voilà. Et merci Jess. Blind test toute génération. Oh, Ghostbusters, wouh, c'est ici. La ligne verte. Oh. J'en ai dit qu'une. Et c'est une fin de tournée.